c'est-à-dire la part transparente, je vois le pépin, que les grains ne sont pas secs, c'est-à-dire que c'est bien nourri. Ouais, ça présage bien pour la semaine prochaine. Hein. Avec le melon de Bourgogne, qu'on appelle ici muscadet, et on démarre un tout petit peu avec une belle maturité pour pouvoir avoir une belle maturité la semaine d'après dans les gamets. Et donc on démarre un peu tardivement. Voilà. C'est bien dommage que ça a gelé parce que ça a amputé la récolte d'une grande partie, mais pour l'instant la qualité se prépare bien. Et avec ce temps sec là et les nuits très fraîches, on a des chances d'avoir du beau fruité avec du gras. Et donc on est plutôt très satisfait. Voilà, pour l'instant.